Eh bien, allez, on continue notre route en avant. Direction La Gomera. On s'éloigne doucement de Tenerife. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mer, pas de vent. Il y a une petite délimitation là. Peut-être. Peut-être qu'on va finir par le choper, le vent qui vient plus d'ouest là. Allez, ça y est, on l'a attrapé. Le courant d'air qui passe entre les îles. Il y a 10-12 nœuds, hein, pas plus. On a sorti toute la garde-robe et on avance à la voile. La Gomera qui se rapproche de plus en plus là. On est à une quinzaine de kilomètres là, vol d'oiseau. 8000 de la côte. Nous on va descendre et on va aller se caler 7-8000 un peu plus au sud pour essayer d'être à l'abri. Une petite dizaine de nœuds. Bon ben voilà, le vent maintenant s'est bien levé. Il y a entre 15 et 18 nœuds, donc ça y est, on rentre vraiment dans les couloirs d'accélération. Alors qu'on n'avait rien toute la première moitié de la nave. Et là, ça accélère. La rentrée de la voile, tout petit morceau de génois devant. Et je sais pas s'il va pas falloir encore en enrouler. Je me demandais même si on n'allait pas faire du moteur jusqu'au bout. Et hop, du coup, donc, finalement, on l'a chopé, l'accélération du vent. Voilà, si ça reste comme ça va. Je surveille l'horizon, je surveille la mer. Si ça blanchit au loin, si on voit que la mer change de forme, c'est-à-dire qu'il y a plus de vent, qu'il y a des rafales de vent, donc il faut réduire en avance. On surveille comme de l'huile sur le feu. On se remet agité, 25 nœuds de vent, la mer est bien moche. Je crois qu'on va encore réduire. On ne sait jamais si ça forcit hein, encore un peu, on va commencer à réduire. À réduire. L'ordi qui a valdingué, le portable. Il a balancé du bureau. Normalement, il est tout le temps à l'abri. Mais là, aujourd'hui, on s'est dit, bon, c'est tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de vent, que dalle. Et ben voilà. Comment se faire piéger? Accrochez-vous, ça gîte. C'est fou. On passe de 0,2 de vent. Oh la vache, je me suis 29,9. On a dit nous d'annoncer, bon, ça va être tranquille. Bon, voilà, bon. Non. Et ben voilà, ça y est, on est sorti du couloir, du fameux. Bon, pas grand chose là, le reflet. On est en face de San Sebastian, un ferry là qui sort et qui va donc rejoindre Tenerife. Là, ça y est, la mer se calme, le vent se calme. On a eu 30 nœuds, hein. On commençait vraiment à être bien gité. On a réduit les voiles. Là, ça repasse de nouveau, 20 nœuds, et tout est passé arrière. 6 nœuds là, 6 nœuds 5, presque 7 nœuds, ouais, presque 7 nœuds. Mais ça n'a plus rien à voir, les éléments sont derrière. Bon timing, ouais. Le ferry nous sort derrière, impeccable. Une dinguerie. Je viens de filmer il y a 30 secondes, il y avait encore 20 nœuds. Il n'y a plus rien. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Le vent il est là. On voit le ferry là-bas qui part au loin. Et le vent il est là. Plus rien. On avait 30 nœuds. Les vagues se calment. Oh là là, c'est la folie quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'air. Incroyable. On fait du 1 nœud. 1 nœud 5. Une dinguerie. Je vais faire savoir les voiles. Voilà. Voilà. On va l'allumer le moulin pour faire les 5 derniers nautiques. Et il fait chaud. J'ai enlevé la polaire, j'ai encore le manche long et je vais me finir torse poil. Il est sûr qu'il va démarrer le moteur. Il est chaud comme la braise. Il reste 4,5 000. La folie, c'est traverser entre les îles, c'est de la folie. Je vais essayer de grimper pour bien faire voir la démarcation. Ah, on la voit quand même. C'est juste derrière nous, c'est à 200 mètres derrière nous. Là-bas, il y a au moins 20 nœuds de vent. Donc San Sebastian, c'est là-bas. Petite plagette ici, petit mouillage.
La petite plagiette ici aussi, petit mouillage, il y a 2-3 petites barques qui baladent. On est dimanche et il y a des gueux. Donc sur la Gomera, il y a 25 000 habitants, je crois, en tout, sur toute l'île. Pas de grand complexe hôtelier, pas de tourisme de masse. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Bon, ben voilà. Donc notre premier mouillage à la Gomera. C'est très joli. Le pain de sucre de Santiago, avec la croix là-haut. Petite ville, des arbres là-haut aussi, des arbres. Et ça, aux Canaries, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pareil pour la nuit, ma chérie, tu vas bien dormir? Ça bouge un peu, on va voir. Il faut un lac, il faut l'étang de Berre, maintenant. T'exagères, hein. T'as vu dans quoi on a dormi ces derniers jours, là? Bon, eh ben, finalement, on est parti ce matin de Santiago, Playa de Santiago. Entre le vent, le courant, la houle, il y a trois choses qui sont à l'envers. Ça fait que tourner. Donc on s'est fait bouléguer, mais bien comme il faut, encore toute la nuit. On ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas. Alors, on va à Valle del Rey. C'est réputé pour être the mouillage de la Gomera. Donc on espère, parce qu'on compte y passer du temps, alors on espère que ça va bien se passer. Là on est dans la partie sud de l'île, donc ici il n'y a pas de vent, des légers vents de sud, donc là c'est que du moteur. Là. Partie sud c'est moteur, et les parties nord, est ou ouest, c'est bombardage. 30 nœuds, 40 nœuds dans les couloirs. Allez, se tanker là-bas. Puerto de Vueltas. Nous voilà à Valle del Rey. Pfff, c'est montagne. Impressionnant. Une douzaine de bateaux mouillage là. 3-4 par là. 3-4 par ici. Et encore 2 ou 3 là-bas dans le fond. Et au bout, le port. Falaise là. Waouh. C'est bon. C'est beau. L'eau, elle est toute claire. Comment tu fais pour t'amarrer là? Tu fais un trampoline? Avec l'échelle. Ah la vache. C'est incroyable. Je pense pas qu'on se rende bien compte comme ça, mais waouh, ces falaises qui surplombent, Maïna qui est tout là-bas avec les bateaux au mouillage. Voilà, il y a hop, nous on est là, tac, là-bas. Il règne une ambiance ici complètement incroyable. Ce petit village, cette petite ville du bout du monde, c'est génial. Voilà, petits escaliers. Là, l'annexe, pof, facile, juste là, juste sur le port. Petite plagette. Regardez-moi ça, les raies immenses. Les raies énormes, elles passent sous le chien. Waouh, elles sont gigantesques, regardez ça. Sur la digue là, hop, le dinghy il est là. C'est dingue. Dingue. C'est blindé de poissons. Et les raies là qui sont venus faire un petit coucou. Sous l'annexe, elle passe. Quel monstros. Incroyable. Complètement dingue, magnifique. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Que c'est beau. À couper le souffle.
Petite grimpette là. Dans les falaises. Bon, petite, hein, parce que elles sont juste. C'est époustouflant. Il y a plein de petits bateaux à côté, on fait gros. On dirait qu'on est énorme. Et donc ce parc là, en bas, une communauté allemande qui s'est installée ici, qui a fait pousser ses jardins. Petit coin reculé. Si vous voulez faire une petite retraite coupée du monde, dans le calme, juste le bruit de l'eau. Ben voilà, vous pouvez venir ici. Petit canyon, une ancienne rivière. Il y a pas mal de grottes dans les falaises, etc., sur le bord de mer, aux Canaries. Bon, ben là, du coup, sur une ancienne rivière aussi. Et il y a des gens qui habitent dans ces grottes, tout seuls, ou des toutes petites communautés de 2-3 personnes. Ah, et là, il vit comme un Cro-Magnon, hein. Tout nu. Dans sa grotte. Spécial. Il y a des maisons ici. Là derrière moi, une petite maison. Là-haut, il y a une grande maison. Je pense qu'en fait, la source, beaucoup plus en amont, a dû être détournée. Parce que là, les jardins sont bien verts, sont bien arrosés. Il y a des vergers, etc. Et ouais, des tuyauteries qui passent un peu partout. Vous voyez encore les canalisations là qui descendent. Ah, c'est bien vert, c'est bien fleuri. C'est Tahiti ça, oh. Fleur de tiare quoi. Frangipanier, je sais pas. Ça sent bon. Que ça sent bon. Ah ouais. Des paysages de haute montagne là. On se croit plus au bord de mer là. Toujours quand même cette verdure qui est bien bien plus présente qu'ailleurs. Sur les autres îles. Voilà, carrément. Ouais, il y en a un qui a un potager apparemment. Fruit garden. Tamarin, maracuja, orange, figue, tomate, banane. Enfin, c'est encore un ancien cours d'eau ça. On peut apparemment rejoindre le sommet par là. Un itinéraire que j'ai vu là. Ça doit être violent. Wow. C'est où là-haut? Ça m'a l'air sacrément abrupt. Ah, là-haut, il y en a une énorme de grotte là. Réveiller le grizzly là-haut. Il n'y a pas un mouillard. Mais tu les vois les brebis? Il y en a une là. Elle est où l'autre? Elle est cachée derrière là. Hop, derrière le buisson. Les deux brebis. Elles ont capté le loulou. Hein. Lui aussi il les a captés. Allez Louki, on avance. Louki. Toujours sous ces grandes falaises, évidemment. Et là ici il y a eu un gros éboulement. Il y a un ou deux ans, et la route a été coupée. Le temps qu'ils arrivent à dégager un peu, il y en a qui se sont retrouvés coincés avec leur camionnette, et donc du coup ils ont décidé de rester à long terme dans la communauté. Là ils y faisaient apparemment qu'un passage, et ils y sont restés du coup beaucoup plus longtemps. Ouais, là tout ça là, tout ce morceau hop qui est là, qui s'est tout effondré. Ah. On arrive à un portail. Mais du coup, on est emprisonné dedans. C'est cadenassé et tout. Alors peut-être qu'il y a moyen de passer par là, par le bord. Là. Ils ont carrément coupé la plage, quoi. Coupé la plage en deux, là, presque. Avec ce mur, là. Le mur de Berlin, quoi. Oh, merde. De quel côté on est, nous? On est du côté des gentils ou des méchants? On loge le mur. Le mur de Berlin, on est dessus. Qu'est-ce que ça dit au bout, là? On est comme des couillons, quoi. Ah, tu passes par les cailloux en bas à marée basse. D'accord. On est vraiment emprisonné quoi. Donc c'est l'annexe ou rien ici. Ok, très bien. Si jamais on veut descendre à pied,
Il faut y aller que par marée basse, sinon, bah, t'es bloqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je craque. C'est trop sale. Ah bon? Peu plus, chérie. Mais un peu de sel d'oseille. À l'eau de mer, hein, pas à l'eau douce. Du sel d'oseille, de l'acide oxalique. Ça blanchit tout, ça enlève les taches. L'acide oxalique, c'est magique. On enlève toutes les taches de rouille. Le pont, il jaunit très facilement, il se tache très facilement. Il est vieux, il a une trentaine d'années, donc... il est très vite très taché, et avec ça, ça c'est miraculeux. Ça dégrise le bois. Ah, il y a devant, le bois, il est tout beau. Le bois, les inox, tout, c'est le top. Un seul produit à avoir, c'est celui-là. Un quart d'heure, on rejette de l'eau dessus, et c'est bon. Passe au rafraîchissement maintenant, chérie. Après l'effort, le réconfort. Et alors, elle est bonne? Elle est froide. 15 degrés. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Alors aujourd'hui, c'est atelier. On construit une échelle. L'échelle qui a cassé. L'inox a été tordu et avec une grosse rafale, ça a pas marché. Il a ramassé un bout de bois. Dehors, là-bas, dans la nature. Et là, il perce et on monte ça sur des cordes. Voilà, système D, en attendant de pouvoir réparer, redresser l'inox. Voilà, on commande ça sur des cordes. Jolie vue pour travailler quand même. Sympa l'atelier. Sympa l'atelier à ciel ouvert. Ça passe, chérie. Un briquet. Un super briquet là, un chalumeau. Elle a pas de la gueule notre échelle là? Ça prend forme, ça prend forme. Allez, il en reste plus qu'une à... Allez, une troisième marche. Tadam! On a une échelle flottante même. Trop bien! On galérera plus à remonter. Un peu moins. Un peu moins. Eh ben, il est 1h15, il fallait faire à manger. Que le temps passe vite. Ouais, on s'amuse. C'est dingue comme ça passe vite. Bon, alors là, ce matin, je suis en train de parcourir la ville. Bon, c'est assez étendu, hein, on dirait pas comme ça. Et je fais le tour des ferreterias et etc. pour le gaz. Les camping-gaz là, bleus, ben, il nous en reste plus qu'une petite. Donc on en a tout le temps une grosse de 12,5, mais une Cepsa, une espagnole. Mais le problème, c'est que Cepsa... Eh bien, sur la Gomera, il n'y a pas. Donc je vais aller voir la station service, la seule, je crois, qu'il y a ici. C'est vraiment très mignon, hein, quand même. On a rarement vu autant de verdure aux Canaries qu'ici. Hein. Je me lasse pas de ces paysages-là. Bordés par l'océan, en bas... C'est superbe. Et là, il y a encore un petit morceau de village là-haut, perché sur la butte. Là voilà, la fameuse station de service d'Isa. Alors, nous on a une bouteille de gaz espagnol Cepsa. Bon, sur l'île, il n'y a pas de Cepsa. Sur les autres, il n'y a pas sur Gomera Hierro. Donc, changer la note, c'est mort. Alors, il y aurait peut-être moyen, peut-être, de la recharger à l'usine d'Isa qui est à San Sebastian. Les petites bleues, les camping gaz, partout où j'ai été, il n'y en a pas. Ici, sur l'île, ils n'en vendent pas. Peut-être à San Sebastian, peut-être. Ah, voilà le panoramique de Vallée Grande Reille. On voit, hein, c'est vert. Hop. Et nous, on est tout là-bas au bout.
On voit pourquoi la vallée Grand Rail. On voit cette vallée de ouf. Surveillant de plage. Putain, il est balèze celui-là. Les charcots, comme ils appellent ça. Les trous d'eau. Donc là, il y a une petite plagette. Là. Donc là, quand la mer monte, hop, ben, il y a l'eau qui arrive jusqu'au bord, jusqu'à la plage. Et c'est très bien protégé par les cailloux. Et ici, il n'y a pas de vagues. Il y a de la vague, il y a de la vague. Hein. On s'est pas protégé. Heureusement qu'on est dans le sud. Hein. À l'abri, tu parles. Ah, là, on se trouve au bout de la jetée. Les falaises de malade qui montent pour les plus hautes à 600 mètres. Celle-là, là-bas, là, hop, elle est à plus de 600 mètres dessus. Du mouillage qui est, voilà, devant le port ici. Magnifique. Ça souffle. On avait le voisin juste à côté de nous qui a son ancre qui a décroché et il nous fonçait dessus. Zone rouge. Bah voilà l'état de l'annexe ce matin. Chien percé. Et le moteur qui a été à l'eau plusieurs fois. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours plaisir.